Bon, c'est mercredi, c'est qui a fait du sperme aujourd'hui? Dis-moi. Je suis trop fière de moi, vous savez pas. Après l'été que je me suis tapée, je suis trop fière de moi, oui. Eh gars, je me suis levée avec une pêche ce matin, je vous jure, une pêche. Fallait que je me dépense, ça veut dire que j'étais agent. J'ai même pas pris de petit déj et tout, parce que moi, de toute façon, quand je prends un petit déj, ça me casse mon délire. Après, ça me ramollit parce que du coup, mon corps, il travaille, du coup, je fatigue. Non, là, ce matin, j'ai dit, énergie dans ton shaker. Voilà, même mes huiles, là, je vais les prendre, mes compléments alimentaires, je vais les prendre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et puis, je suis trop frais. Là, je me sens... J'avais besoin d'évacuer tout ça, je crois. Alors, j'ai même fait de la boxe. Genre, j'ai dit là ce matin, tout la totale. J'envoie tout ce que je peux envoyer jusqu'à ce que je suis épuisée. Là, jusqu'à, vous voyez ça, je le vois dans mes vidéos. Je m'en fous, j'assume. Je l'ai, c'est comme ça. Quand ça partira, ça partira. Mais j'ai mon dos. D'où je m'entends. Je le vois quand je parle. Même mes joues. Là, on m'a dit, quand je suis rentrée de vacances, on m'a dit que j'avais bonne mine. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je sais pas si c'est ironique. Parce que, genre, j'ai bien mangé. J'ai savouré là-bas, tu vois, les vacances. Le Portugal, c'est vrai. Franchement, on mange bien. On fait des bons apéros. Les gens, c'est des bons vivants. On kiffe. Là, vraiment, ils kiffent la vie là-bas. Les gens, ils profitent. Mais si eux, ils ont une longue espérance de vie. Faut que je vous montre parce que, tout à l'heure, je me suis regardée dans ma vitre. Non, parce que là, vous voyez, ça va et tout. Là, ça va. Tu vois ça, là? Tu veux ça, là? Tu veux, là? Mon dos, là. Mon dos, j'ai plus de dos que de ventre. La vérité, j'ai plus de dos que de ventre. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous jure, j'avais pas ça. Regardez. Et vous savez quoi? Je vais aller faire une piscine. Je vais nager. Ça va me faire du bien. Je vous jure, je vais aller à la piscine. Je vais aller à la piscine. Non, je peux plus. La vérité, je peux plus regarder. Avant, j'avais ça qui faisait ça. Voilà. Maintenant. Mais bon, c'est ça. On grandit. Du coup, le corps, il élimine moins bien qu'avant. Ça y est, il est 32 ans bientôt. Ah ouais, 32 ans, ça se ressent, ça se voit, ça se sait, ça se... Ouh, body positive. Attention que ce soit pas mal interprété. Hein. C'est vraiment une question de bonne santé, de bien-être. Parce qu'il faut savoir que moi, avant, en fait, j'étais mince naturellement. J'avais même du mal à prendre du poids. Et on me disait que j'étais trop maigre et que j'avais pas de forme, etc. Et par la suite, après, je m'étais mis intensément dans le fitness. Rappelez-vous, en 2021, c'est ça. Et en un an, j'avais genre dessiné mon corps, mais de ouf. Et j'étais limite trop, trop sec parce que j'étais descendue à en dessous de 50 kilos, ce qui était énorme. Enfin, c'était peu pour mon corps, justement, parce que je fais 1m68. Normalement, je dois faire minimum 51, 52, c'est le minimum. Enfin, pour moi, hein. Après, les autres, chacun sa perception du poids, parce qu'il ne faut pas tomber dans un poids dangereux. Pour la fête, je vous jure, c'est plus on prend de l'âge, plus le corps, il travaille moins bien qu'avant. Et du coup, il faut faire hyper attention. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, je suis gourmande, je mange quand même bien, parce que j'aime bien les légumes, j'adore les légumes, franchement. Je mange plus de riz que de pâtes, les burgers et tout, c'est vraiment très rare que j'en mange. Et personnellement, même si j'adore les frites, parce que j'adore les frites, voilà. Mais j'essaie de manger le moins gras possible. Après, c'est vrai que je mange en quantité. C'est où je mange des avocats, du poulet, du riz tous les jours. Voilà, en petite quantité. Et je fais du sport de temps en temps. Ou je fais du sport comme avant. Où j'en faisais 4-5 fois par semaine. Mais voilà, vraiment, avec le kiff, faut pas que ça soit un dégoût. Et perso, j'ai kiffé ce matin parce que je me suis vraiment dépensée et je me sentais, plus je transpirais, plus je me sentais bien. Je vous jure, c'était une bonne adrénaline parce qu'il y a les phéromones de bonheur là qui sont en train de me remonter. Je vous jure, ça fait du bien.
doudou. Embrasse-moi doudou. T'es mimi. Du coup, je remets fini, il est 1h du matin, je suis en train de sortir mes petits bébés. Oui, ça va les enfants, ça va. Je suis cave. Demain, grosse day, gros day. Après demain aussi. Jusqu'à dimanche, j'enchaîne. En tout cas, je suis contente parce que c'est positif. Et du coup, là, c'est, on va dire, c'est pas du temps gâché. Donc, merci à toutes. Vous savez quoi, je me rends compte que plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans le travail. Et en fait, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui comprendront ce que je veux dire. Mais tu sais, quand t'es sur... pas qu'un seul travail, plusieurs domaines, et que en fait tu dois donner ici, tu dois donner ici, et tu dois donner ici à 100%. Voilà, ça peut être par exemple le sport, tu dois donner à 100%, le travail, tu dois donner à 100%, ta famille, tu dois donner à 100%. Et en fait, t'as pas le choix que je vais jongler entre un tel, et que je vais donner la même énergie, on va dire, sur toutes ces choses-là pour lesquelles je m'investis. Je sais qu'à un moment donné, je vais devoir choisir. Et du coup, c'est là que tu dis, est-ce que t'es vraiment sûr? Ah non, je suis sûr. Ça, je sais que je veux et je suis sûr. Et c'est juste, va falloir faire plus de sacrifices. Et c'est là que je me dis, est-ce que je suis capable de faire plus de sacrifices? Parce qu'en vrai, dans la vie, on ne peut pas tout avoir mal.